Tiens, les chiottes d'avion, tiens, je veux dire, Alors, si on peut dire quelque chose, là, je ne sais pas qui a fait... Si on peut pas dire ça... C'est bien sur les chiottes d'avion, attends, chiottes d'avion, t'as vu? C'est extraordinaire! Dans l'avion, tu fais ce que tu veux, là, hein, pour le coup. Là, tu fais mou, dur, toi, tu fais ce que tu veux, tu colles des papiers partout et tout, t'as vu? Push! Chut, t'as un liquide. J'ai dit non, et tout de suite après. T'as vu la puissance? Il n'y a plus rien! Là, David Copperfield, il peut remballer les gros, il n'y a plus. Rien! Il y a des trucs collés par deux, mais rien, nickel! C'est impressionnant, hein, ça fait peur! Moi, j'ai un copain. Hein, qui avait déjà les couilles qui pendaient un peu. Vous savez pas ce que je vais dire. Il n'avait jamais pris l'avion, lui, et lui, il est resté, il a fait caca, il est resté assis. Il a regardé un bouton, puche, c'est battu pendant des heures, les gars. C'est parti. Il a tiré un moment. Il a ouvert la porte des chiottes, il est sorti dans le couloir, il a reculé jusqu'au 23e rang, il a reculé. Il a réagi quand ils sont venus. Il a dit 18 personnes qui ont pris dans la gueule. Et lui, il a fini bam. Ah ben je l'ai un gars maintenant, et moi il me dit quand je fais l'amour à ma femme, je pose les couilles sur la table de nuit.